Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Métiftah Université. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du rêve, et particulièrement d'un rêve que j'ai fait dernièrement, il y a quelques temps, mais un rêve de loup. C'est assez rare quand même de rêver d'un loup. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quand même, là, tout ce que vous allez entendre derrière, c'est révélé, c'est quand même réservé aux initiés. Hein, c'est aux initiés, c'est à des gens qui ont l'habitude de réfléchir et d'essayer de comprendre, de lire entre les lignes. Vous savez, int, tel, igent, vous savez, un à l'intérieur, donc sortir. L'élection entre deux personnes, sortir le meilleur de vous, déjà entre deux personnes, de façon à ce que ce soit compris, et même si c'est pas compris, pas forcément admis, mais on reste quand même dans la discussion, dans le débat. Vous êtes capable de ça? Donc, d'élever un petit peu les choses et de rentrer un petit peu dans la subtilité. Subtilité. Soub. Donc ça, c'est un mot sanskrit fabuleux. Toutes les petites filles, juste derrière le Mahatma, à l'époque du Mahatma Gandhi, donc c'est lui qui leur a dit, cousez vos propres vêtements. Et toutes les petites filles, donc les mamans, leur prenaient un tout petit... des petites pelotes donc pour faire eux-mêmes et elles-mêmes leurs propres vêtements. Tu sais, donc, des petits appareils de tissage, des métiers à tisser. Et la fille commence par les fils arrière. Et petit à petit, donc, le mur de fil va donner ce vêtement. Et le père, quand il rentre le soir, premier soir, deuxième soir, il voit la petite. Donc commencer, mais il voit pas. Et un jour il arrive et hop, tout le mur est monté, le tissage est terminé. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc le sanskrit est merveilleux pour ça. Il va construire aussi, donc avec ses racines, Suba. Suba, elle a commencé par les fils arrière. Suba, en français, subordonné. Et oui, celui qui est derrière. Le fil, il, til, til. Donc la racine de textile. Donc, Suba, Til, subtil. C'était la petite fille, c'était la mère, et puis l'homme, ça lui a plu, il a dit moi aussi, je suis subtil. Non, 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 non. Prenez un métier à tisser, et commencez à tisser, et sortez des vêtements, et là, vous serez réellement subtil. Donc voilà, ce rêve est réservé aux personnes subtiles. Les hommes, ben oui, si vous avez dans votre tête une petite pelote de laine, hein, et que vous la faites marcher, il n'y a pas de raison. En entrant dans un rêve de loup, vous risquez de vivre un sommeil mordant, hein, et un rêve dramatique. Vous voici dans un voyage de lettres et de mots en direct d'une gueule de loup, d'un mufle du jardin d'Éden. Les consonnes du verbe dormir, DRM, dormir. Correspondent à celles du verbe rêver en anglais. Dream. Cathy? Dream. En araméen et en hébreu, langues sémitiques qui s'écrivent donc de droite à gauche, ça aussi c'est important, c'est pas un hasard d'écrire de droite à gauche ou d'écrire de gauche à droite. Hein. Allez sur Métifta, on explique tout ça, le sens de l'écriture. Pas à chaque cours vous rappeler et recommencer un autre cours, un cours d'un cours. Ça fait des choses de plus en plus longues. Et oui, c'est important, vous voyez, là, vous avez près de 190 cours qui sont sur la toile. Vous vous rendez compte? Vous pouvez passer d'ores et déjà vos jours et vos nuits. Mais attention au rêve de loup. Dormir et sommeil sont associés à la dent, donc en langue sémitique, et se disent shéna. Quand je dis shéna, donc je pense à la dent, chaîne, la partie dure de mon corps, chaîne, la pierre, donc de mon corps. Le sommeil est à la fois un gain et une perte de temps.
Le temps se dit en araméen et en hébreu zeman. La zeman a zé. Zeman. La nourriture se dit mazon. Mazon. Deux mots constitués des mêmes consonnes. Le temps est une nourriture qui se consomme, tout comme un rêve de loup vous tenaille et vous êtes même accro. Le temps se mange. Manger et mazon. Manger. M-N-G. Mazon. M-G-N. Ont la même valeur parce que le Z et le G, en langue sémitique, ces deux consonnes sont en effet liées depuis le proto-sinaïtique. Ce sont appelées des lettres associées, qui est une réduction des hiéroglyphes. Tout comme il y a d'autres lettres associées, le I, le J, le Y, le F, le U, le V et le W. Hein, vous avez le F qui est le FAO, donc le V qui est le W et le U, donc qui est le OU. Poursuivons donc ce rêve de loup. L'anglais time, TM, qui signifie le temps, est proche de meet, donc qui est simplement l'anagramme, MT, TM, même MT, donc qui signifie en anglais la viande. Le loup, pendant votre sommeil, dévore votre chair et votre temps. En bon français, il vous bouffe. Ce temps qui se mastique à la hauteur de votre os temporal. Voyez? Temporal, donc temps. Le temps qui passe, il est là, 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 exactement là. Il y a cette mâchoire inférieure, elle qui bouge, là le maxillaire, donc supérieur, ne bouge pas, et le temps se mastique, bien sûr. Donc, ce temps qui se mastique à la hauteur de votre os temporal, de la mâchoire inférieure à la racine de nos tempes, ce temps qui passe dès le réveil, comme un loup patient qui prend son temps. Un rêve de loup est une bouchée de chair arrachée au temps, une relation dévorante, la mort étant donnée par le dernier coup de dent. Hein, souvenez-vous, 32 dents pour un bébé loup hein, de moins de 7 mois. Hein. Ce mort, et ce mort aux dents, homonyme de mort, quand l'âme est hors du corps dès le petit matin anglais. Hey, good morning! Bonjour! C'est le début de la souffrance. Good morning, good morning. En anglais, vous êtes dans le deuil. L'allemand, il vous dit good, gut, non, non, gut, morgen. Good morgen. Et là, il vous envoie à la morgue déjà. Hein? Le mot gut morgen, morgue, le lieu où on laisse reposer autant que faire se peut les morts avant l'autopsie. Hein? Allez voir, police judiciaire. Donc, morning, morning, morgue, morgan. Un, il dit bonjour, l'autre, il dit bonne mort. La nuit, les loups, comme les chats, bah oui, ils sont tous gris, hein. Votre réveil vous sort de la mort, du sommeil. Le loup saura attendre votre sommeil pour rentrer en vous. Ah oui, à l'inverse de la faim ou de la soif, le sommeil est irrésistible. Peut pas. Le loup attendra le moment où l'homme devient une bête de somme, ne pouvant plus s'arracher au sommeil à une heure où le loup vit enfin. Bonne journée sur Métifta. Vous n'êtes pas encore debout? Ah, écoutez, on est là depuis une heure du matin. On a fait 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous n'êtes pas encore. Non, mais moi je vous dis que le soleil, bien sûr, soleil, c'est pas une lumière qui vient vous exploser comme ça. C'est or, 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 l'aurore. Petite lumière, doucement. Oh oui, c'est vrai que c'est difficile le matin pour ça. N'oubliez pas vos ablutions. Hein? Espèce de rat, 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 rat au sens. Hein? Vous sortez de la nuit. Donc on a besoin de faire ces ablutions et de prier. Donc du fond de soi, enfin, vous avez un vrai réveil. Et vous le faites dans la langue que vous connaissez. Pas compliqué. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam, al netilat yadayim. Et là, vous êtes prêt pour une journée, même si ça tire un peu dans le dos. Oui, ça tire. Bah oui, ça tire. Oh là là, cela, il tire de plus en plus dans le dos. Bonne journée. Et n'oubliez pas d'aller à l'école quand même. Hein. Mais Tifta, c'est l'école, après l'école, pendant l'école.